Nolwenn Leroy est une femme comblée. Si elle endosse avec enthousiasme son costume de coach dans The Voice Kids, diffusé ce mardi 11 juillet sur TF1, la chanteuse est épanouie dans son rôle de mère. Le 13 juillet 2017, elle a donné naissance à son fils Marin, fruit de son histoire d'amour avec le tennisman Arnaud Clément. Avant que son garçon ne vienne au monde, la grande gagnante de la saison 2 de Star Academy a longuement réfléchi au prénom qu'elle souhaitait lui donner. Si elle a opté pour Marin, Nolwenn Leroy avait une toute autre idée en tête. Au départ, je voulais donner à mon fils un prénom purement breton, celte. A-t-elle confié à nos confrères de Pure People. Avant de poursuivre, lui finalement ce prénom s'est imposé parce qu'il porte en lui toute la Bretagne mais aussi bien au-delà le courage, le voyage, les marins. La mer. Tout me ramène à la mer. Après avoir mis sa carrière entre parenthèses, pour se consacrer pleinement à son fils, Nolwenn Leroy est revenu sur le devant de la scène avec son album La Cavale, sorti en 2021. Dans ce dernier disque, écrit par Benjamin Biolay, la chanteuse de 40 ans a fait la plus belle des déclarations à son fils avec le titre Mon beau corsaire. J'avais envie qu'il y ait quelque chose de gravé pour mon fils, a-t-elle confié dans les colonnes de Télé 7 jours en novembre 2021. Et d'ajouter avec tendresse, mon fils, c'est tout pour moi, c'est mon trésor. Cela ne fait aucun doute, Marin est une véritable source d'inspiration et d'épanouissement pour sa mère Nolwenn. Supérieure à Isabelle Adjani, Nolwenn Leroy, Sheila. Les people qui vont faire parler cet été Nolwenn Leroy, une maman présente pour son fils Marin en plus de prendre place dans le fauteuil rouge de The Voice Kids, Nolwenn Leroy est actuellement en plein tournage de la série Brocéliande. Bien que son emploi du temps soit des plus chargés, l'interprète du titre cassé souhaite être au maximum présente pour son fils Marin, comme elle le confiait à nos confrères de Télé 7 jours. Si est-il aussi pour ça que je n'aille pas fait de tournée pour mon précédent album. Il rentrait tout juste à l'école et je ne voulais pas le quitter à ce moment-là. Il a donc fallu faire des choix. À l'époque, j'ai préféré lever le pied pour mieux revenir aujourd'hui. Aujourd'hui que son fils est en âge de comprendre, Nolwenn Leroy accepte volontiers les projets. Et lorsqu'elle s'absente, la pétillante Quadra peut compter sur son compagnon. J'ai mon homme, Arnaud Clément, note de la rédaction, et ma mère qui m'aide dans ces moments-là, a-t-elle confié. Et conclure avec une certaine reconnaissance, quand tu as un métier de passion, et je le vois avec mon compagnon dans le tennis, tu as forcément une famille derrière qui te soutient. Crédit photo, Cyril Moreau. On your